C'est bon. Super idée, Vincent. T'as trois pots face cachée. Il y en a un qui vaut 100 balles, l'autre 50 et l'autre 20. Et tu dois choisir ton pot. C'est un pari sur l'avenir. C'est un pari parce que... Vous êtes vraiment trop con. Attends, on annule. Margot, elle s'est enfermée. Elle s'est enfermée dans les toilettes. C'est ton neveu. Casse-toi. Tu sais la vélo avec le balai pour lui craser la tête si tu mets en dessous. Margot, il est plus là, Marcellus, tu peux sortir. Viens, on y va. Je crois pas. Margot, on est prêt à partir, on a faim là. Mais il est pas là, je te dis qu'il est pas là. Viens, on va manger, Margot, lâche ça un peu là. T'as vu ce que tu fais chez Alex? T'as vu ce que tu fais chez lui? Mais y'a rien là! J'ai de la peur, tiens, mais qu'il est mis quelque part, que vous le sortiez! Je vais me barrer d'ici vite là! C'est mon doigt, Margot, c'est mon doigt! Attends, je vais t'entendre! T'entendre! J'ai des super pouvoirs, ça y est! Alex, vous vous ennuyez? Vous voulez faire un jeu? Vas-y. Venez. Ouais! Pour combien tu manges ce qu'il y a en dessous de ça? Non, mais je vous connais, moi. Je te donne 20$. Vas-y, 20$. Oh non! Parce que je vous connais, tu vois. Oh non, ah, bâtard, c'est la pire chose que t'aurais pu me donner. Il y en a beaucoup. Gros. Deux grosses cuillères. Je peux pas manger deux cuillères. Si j'y vais, je vais manger cuillère, un coup. Une vraie cuillère. Vous me faites passer une sale journée, gros. J'ai été chercher dans ses peurs profondes. Qu'est-ce qui t'a traumatisé avec le ketchup, Alex? Je suis violé par un ketchup quand j'étais plus jeune. Ah merde. Ouais, mon oncle m'a rentré une bouteille de ketchup. Ça se trouve, ça va être une révélation. Regarde, c'est une cuillère. 3, 2, 1. C'est dégueulasse! Je vais vomir. T'es mort, Vincent. Ok, guys, cette semaine j'ai rencontré la soeur jumelle de Romain. Bonjour. Oh, bonjour! Vous êtes les petites amies d'Emma. Vous êtes les petites amies d'Emma, soeur. Oui. Elle est où? Elle veut pas vous voir, elle m'a dit. Non, j'ai des comptes à régler avec elle. Elle m'a caché pendant trop longtemps. Elle m'a envoyé en Russie, monsieur. Monsieur, comment vous appelez ça? Arrêtez de me donner des coups. Envoyé en Russie, dans les camps. Dans les goulags? Mais non, pas les goulags. Ah, un camp de vacances? Voilà, les camps de vacances. Depuis, j'ai l'accent russe et marseillais en même temps. C'est bizarre. C'est terrible. Je devais passer la journée avec toi pour apprendre à te connaître. Donc, nous allons passer ensemble. Ouais, doucement. Chez nous, la boisson, c'est pas les cafés. Hein. C'est la vodka et le cyanure mélangés. Le cyanure, c'est un nom du peps. Non, ça fait mourir. Vous vouliez aller quelque part en particulier aujourd'hui? Chez nous, en Ruskovie, nous négocions tout. Absolument tout. Démonstration. 2 pour 3. Regardez. Bonjour. Vous travaillez ici? J'ai vu 2 pour 30, est-ce que vous pouvez faire 4 pour 30? Oh, merci quand même. Ça n'a pas marché cette fois. Mais bien sûr que ça n'allait pas marcher. En général, ça fonctionne. Je ne comprends pas, j'ai demandé 4 pour 30, elle m'a dit non. Bah oui, mais c'était 2 pour 30 à la base. Ah bah, un chiffre est un chiffre. C'est ça qu'on va s'entendre. Arrêtez de me secouer, je suis pas Simon, moi, je suis Vincent. Allez, venez Alfred. Ok guys, vous savez peut-être pas, mais Vincent, c'est un phobique du fromage. Il déteste ça par-dessus tout. Aujourd'hui, il va devoir manger le top du top pour un phobique de fromage, le Roquefort. Est-ce que pour 100$, tu manges forcément ce qu'il y a là-dedans, sachant que c'est forcément comestible? Ok, 500$. 500$? Ouais. Tu manges ce qu'il y a là-dedans, peu importe ce que c'est. Ça, attends. Je te donnerai pas forcément l'argent. Ah bon? Est-ce que t'es prêt? Non, c'est dégueu. Non, je déteste ce fromage. Non, t'as pas le choix, t'as dit oui. T'as dit oui, c'est Vincent. C'est du moisi, je peux pas, non. Une bonne grosse tartine. Non. Une bonne grosse tartine. Faut savoir que Vincent est même pas capable de manger du cheddar. Faut pas manger ça, hein. Ne faites surtout pas ça à la maison. Tout ce que j'ai fait avant dans mes vlogs, vous pouvez le faire, mais ça. Non, mais attends, vas-y, là, il est moisi. Non, un peu non, plus mais que c'est ça. Dégueu. Non, Romain, je vois le moisi. Attends, faut que je me prépare, regarde, ça me dégoûte. Romain, j'ai envie de vomir. Mais il faut pas que t'ailles à Koh-Lanta en vrai, hein, parce que les araignées, les scorpions. Mais ça, je préfère manger une araignée que ça. Hein. Donc tu te fais un petit cocktail, c'est bien, hein, tu nous dis si on te gêne. Hein. Non, faut que je mange tout. Ah bah bien sûr. Est-ce que t'as gardé le bol au cas où si tu allais vomir? Allez, fini, avale. Alors la saveur, c'est comment? T'aimes bien? Ah ouais, les différentes saveurs. Pourquoi tu manges ça?
Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Bah, vos vlogs. Je passe mes journées à constamment, je regarde vos vlogs tout le temps. C'est quoi votre passage préféré? Ça, ce passage-là. Ah, c'est en fait quand c'est vous êtes passage. En fait, à chaque fois que j'apparais dans un de vos vlogs, ça devient mon nouveau passage préféré. Ok, et quand c'est pas vous qui êtes dans le vlog? Oh là là, la flotte, je saute. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un truc, Sabrène? Non, en vrai, la flemme. Allez, vous n'avez pas regardé les vlogs toute la journée, vous n'avez pas ressassé le passé, monsieur. Non, mais en vrai, la flemme, gros, il fait froid dehors. Voici mon ami Alex, et il est dans mes vidéos depuis que j'ai commencé. Et depuis quelques jours, il veut plus du tout sortir de chez lui. Mais allez, on fait un truc, on va faire du karting, on va faire du baseball. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de lui venir en aide en détruisant sa télé. Donc tu vas rester là toute l'après-midi? Bah, je regarde la télé, moi. Et s'il n'y avait pas la télé dans votre vie, vous ferez quoi? Je me tirerais pas direct, frère. Mais par contre, on peut regarder d'autres vlogs, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es off. On y va. Mais t'es sur ma télé. On y va. Mais ma télé. Mais ma télé. Oh, tu filmes en plus. Mais ma télé. Allez, viens maintenant, on y va. Non. Viens maintenant, on y va. Y'a plus de télé, tu peux plus, mais tu peux plus te regarder. Mais ça joue encore. Alex, c'était... Mais tu l'as vraiment de péter ma télé. C'était un prank, Alex. Je t'ai cassé. Mais vraiment cassé ma télé, mais comment ça, un prank? Ah non, 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 c'est une autre télé. T'as une autre télé? Roman. Bah non. T'es con. Mais t'es obligé de faire ça, frère, pour avoir... Putain, vous avez senti un batte de maison, je pensais que vous alliez taper. Oh my god! Vous avez décidé de péter ma télé? Pour t'en offrir une nouvelle, une plus grande. Plus grande? Ah, j'en fais plaisir. Ok, Roman, branche la nouvelle télé. C'est bizarre que vous me demandiez, genre, on va faire du baseball. Mais alors, ah, va, hein. Non, on a pété les deux télés! We on blue, 45.